Bonjour à tous, moi c'est Rebecca Turcot, j'ai 21 ans et je suis originaire de Vendée. Je suis actuellement en master marketing, communication et digital à MBWay d'Angers. Mais nous sommes plutôt là pour parler de ma vie professionnelle, alors je vais vous emmener avec moi à Vives 3 Pays de la Loire, où je suis chargée de communication en alternance. Au sein du service communication régional de Vives 3 Pays de la Loire, et en lien avec la chargée de communication, mes principales missions sont de prendre en charge une partie de la rédaction et de l'animation éditoriale interne et externe des supports de communication, mais aussi de contribuer à la réalisation de pages de présentation individuelles des établissements de soins et d'accompagnement pour le site internet en lien avec les différentes directions des activités et établissements. Et pour finir, d'apporter un appui rédactionnel à la réalisation de supports de communication. Mon temps est partagé entre la communication de Vives 3 Pays de la Loire, mais également du CENTIC, qui est un centre d'expertise nationale des technologies, de l'information et de la communication pour l'autonomie. Au sein du CENTIC et en lien avec la direction du centre, mes missions sont d'élaborer des contenus rédactionnels de présentation et de promotion du CENTIC. Si mon poste est maintenant plus clair pour vous, le rôle de mon entreprise est peut-être encore un peu flou. Vives 3 Pays de la Loire est le premier employeur privé du secteur non lucratif dans la région et accompagne au quotidien plus de 50 000 personnes par an. Sa mission est de faciliter l'accès aux soins et services de santé de l'ensemble de la population tout au long des parcours de vie. Vives 3 Pays de la Loire développe et gère une offre diversifiée au travers de trois grands pôles métiers. Les services et biens médicaux, santé dentaire, visuelle et auditive, les personnes âgées, EHPAD, résidence autonomie, SSIAD, domicile service, etc. Et l'accompagnement et soins, structure d'accueil de jeunes enfants, crèche, RAM, structure d'accompagnement du handicap, déficience sensorielle, psychique, santé mentale, etc. Centre de santé et établissement de soins de suite, par exemple.